Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc du coup on va nettoyer la cage de mes souris. Enfin je vais nettoyer la cage de mes souris. Donc si je fais cette vidéo, je vais pas faire un tuto. Parce que enfin voilà quoi. Coucou Pinky. Bah oui Pandora, t'es mignonne. Elle est trop mignonne. Du coup, je me suis dit que cette vidéo pourrait être intéressante parce que, comme vous pouvez le voir, Punky est assez fine alors qu'elle, elle est très très grosse. Tout simplement parce qu'elles ont eu des bébés. Enfin, Punky a eu des bébés. Donc, Punky c'est Pandora, hein, c'est juste son surnom. Et du coup, voilà, du coup, on les verra sûrement lors de la vidéo. Du coup, bah voilà. Voilà, elle est mignonne. Bah oui. Du coup, là voilà, les cages elles sont séparées en deux. Voilà, j'ai acheté une nouvelle cage. Pour si on a des mâles, devoir les séparer des femelles, parce que vous imaginez bien que. Hop, oh, ça m'énerve, ok, voilà. Donc, quand on les a eu à l'animalerie, bon, ça me dégoûte un peu de dire ça, voilà. Je sais pas ce qu'elles ont essayé de me bouffer les ongles. Ça s'appelle un ongle, chérie. Hein. Alors voilà, les deux me bouffent les ongles, c'est génial. Enfin voilà, du coup, là, je vais commencer à préparer. Je vais éviter de trop déranger les. Elles sont trop mignonnes. Je vais éviter de trop déranger les bébés parce que bah voilà, ils sont nés il y a un jour ou deux là. Du coup bah ils sont pas habitués et tout, enfin voilà. Du coup bah à tout de suite. Punky adore s'échapper. Punky et madame je m'échappe tout le temps. Bah oui louloute. Tu veux manger mon doigt? Tu manges mon doigt? Il y a Lila mon doigt. Oh oui tu manges les doigts. Ah purée, ça fait mal. t'es con ma Punky. Oui t'es con. Bah oui. Donc voilà, donc je vais changer la litière parce que plastique et tout, j'ai nettoyé dimanche dernier. Et du coup, il est assez propre encore. Enfin, il n'y a pas besoin. Bon, on a entendu les petits couiner là, c'est très mignon. Bon, elle est en train de me bouffer le doigt, c'est génial. Voilà, Jasmine. Allez, pépin. Bon, voilà, elle s'en fout. Il y aura de la nourriture, je remettrai ce soir ou demain matin. Selon ce qu'il leur reste. Voilà. Toute mignonne. Coucou, tu viens? Allez, zou. Voilà, donc là j'ai changé la litière. Hein. Bonjour Pinky. Toute mignonne. Donc on va remettre ceci, comme cela. Voilà. Ceci est très chiant à remettre. Voilà. Hop. Admirez comment Grismil a défoncé le pont. Elle a totalement grignoté. Voilà. Ah, mes mères. Bah oui, t'as tout bouffé. C'est trop mignon les souris. Voilà, donc on ferme sur les côtés. Hein. Donc voilà, ça va être un peu rapide parce que c'est juste changer de chambre. Donc la litière, hein, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, les copeaux de bois c'est toxique. Voilà. Bon, maintenant ça commence à être assez connu donc. J'ai poubelle. Voilà. Tu bouffes mon doigt? Oui, je sais pas ce qu'elle a essayé de bouffer mon ongle, mais bon. Non, oui, mais l'autre. Voilà. C'est mignon. Ah, doucement, toi. Doucement. Voilà, donc maintenant, je vais enlever la partie supérieure pour essayer d'enlever un peu de chambre, là. Voilà. Pour vous montrer un peu les bébés. Si j'y arrive, sans leur faire peur ou quoi. Donc, à tout de suite. Bon, voilà, j'ai réussi à attraper les deux mamères. Voilà, du coup, elles sont là. Voilà, donc... Voyez, je vais bonjour. Je vais te demander de te pousser, Grismine. Voilà. On voit que Grismine est bien bien enceinte. Donc si la roue tombe pas, c'est parce que la litière elle est tout foutue en dessous. Et qu'il y a une mouchoir qui frotte aussi, du coup ça fait pas mal de frottements. Du coup bah ça gêne un peu la roue, mais bon apparemment elles arrivent plutôt bien à en faire quand même. Donc voilà. Du coup là je vais couper le temps d'essayer d'enlever le plus possible de chambre. Hein? Bah oui Pandora. T'aimes bien la roue, hein? Bah oui louloute. Donc là voilà, j'ai enlevé la roue du pont en bois. Donc là je vais pousser très délicatement les mouchoirs en essayant de pas trop les déranger. Voilà, on va voir qu'il y a quelques petites crottes. Voilà, là on en voit un. Bonjour. Oui, non mais je vais rien faire à tes petits, t'inquiète pas. Enfin tes petits, c'est même pas les siens. Hein, voilà. Bon, ils sont en dessous, j'ai pas trop envie de les déranger, mais voilà. Ici, voilà, j'espère que je vais pas en garder. Voilà, ils sont tous là.
Je remettrai les mouchoirs après, il n'y en a pas de problème, voilà, ils sont là. Ils sont trop mignons. Il y en a plein. C'est tout petit, tout mignon. Bon, voilà, je vais les remettre. Punky est en train de s'évader. Bonjour. Viens là, toi. Viens là, reste pas là. Bon, j'ai pris une coupure, qu'est-ce que je les rattrape? À tout de suite. Donc là, voilà, j'ai changé le champ, j'ai remis la roue et le pont en bois, donc j'ai remis les affaires. Et les sous-sous, elles sont toutes excitées, voilà, elles bougent dans tous les sens. Punky arrête pas d'essayer de s'évader, voilà, elles font de la roue, elles sont contentes de retrouver leur petit trou qui est... trop bien quand elles font ça. Voilà, l'instant en roue. C'est marrant la roue, hein. Bah oui, vous êtes contente de faire de la roue. Voilà, là je vais remettre le haut de la cage qui est là. Voilà, je vais le remettre là. Oh, déodorant. Je vais le remettre là, voilà. Et puis je vais repencher, enfin je vais repencher. Je vais raccrocher ceci, pardon, à celui-là. Voilà. Oh, mais t'arrêtes de bugger, merci. Donc voilà, plus. Voilà, donc là j'ai remis le haut de la cage. Donc je vais repousser ceci là-bas, voilà. Bon, ça, je nettoierai dimanche, hein. Voilà. Coucou Punky. Descends là. Voilà. D'ailleurs, je vais remettre ceci. Voilà. Je remettrai l'eau après parce que ça va être chiant dans le. Enfin, tu regardes parce que ça se renverse pas. Voilà. Là, il y a le nid des petits. Hein. Voilà. Chrismine qui aura certainement ses bébés ce soir ou demain. Parce que vu sa taille de baleine, elle va pas tarder. Ils sont trop mignons. Non mais Punky, il va y avoir l'autre cage après, mais après. Oh Punky. J'ai dit Punky, je sais plus. Voilà. Ce que voient les souris. Bref, voilà. Petite cabane, elles ont quasiment plus maintenant parce qu'elles dorment là. Et voilà quoi. Donc ça, faudrait que je referme après. Bling. Voilà. Pff, qu'est-ce qu'il faut. C'est trop mignon les souris, mais ça pue. J'aère 3 ou 4 fois ma chambre par jour. 2 fois le matin. Enfin, une fois. Non, 3 ou 4 fois. Ouais, 3 ou 4 fois. On les entend couiner. Enfin, je sais pas si vous avez entendu, vous, mais moi j'ai entendu. Donc, je vais refermer et je vais aller les reposer sur le bureau. Et je. Enfin, voilà, ce sera la fin de la vidéo. A plus! Donc, voilà. Du coup, je les ai remises. Voilà, je les ai rattachées. Du coup, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Donc, il y en aura peut-être une samedi, si on n'a pas la chance de le faire, parce qu'on va peut-être aller à l'équitation samedi pour sortir certains poneys pour les panser et tout. J'ai vu une petite souris courir. J'ai l'impression qu'il manque un truc, mais ouais, il manque un tuyau peut-être. Enfin, bref, voilà. Bon, elles aiment bien piquer des strings. Elles aiment bien piquer des sprints ici. Voilà, ça les amuse. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bye!